L'Aventadores, c'est simple, c'est une Aventador légèrement revue esthétiquement, mais surtout dont le patronyme passe de LP704 à LP744. Entendez par là que la puissance passe de 700 à 740 chevaux. Pour le Roadster, la recette est la même, sauf qu'en plus on peut découvrir l'auto en un tournement. La pièce amovible est en carbone, ne pèse que 6 kg et peut se ranger dans le petit coffre situé à l'avant de l'auto. Les caractéristiques techniques restent donc impressionnantes avec un V12 atmosphérique 6,5 litres de 740 chevaux, nous l'avons dit, et 690 Nm qui emmène les 4 roues motrices et directrices jusqu'à plus de 350 km/h en ayant atteint les 100 km/h au bout de 3 secondes, soit un petit dixième de plus que pour le coupé. Le V12 se situe derrière les deux occupants et prend place sous un capot dont les bandes noires, séparées par un morceau de carrosserie, peuvent être choisies en option transparente pour laisser apparaître le moteur. Le prix de ce roadster d'exception est de 313 666 € hors taxes et les premières livraisons auront lieu en février 2018.